Le cancer n'est pas une maladie à cause unique, c'est une maladie complexe. Elle varie selon la situation géographique, elle varie selon la situation personnelle et selon la génétique des patients. Tous les cancers sont différents, tous les patients sont différents et donc l'association des deux rend la situation très complexe et souvent difficile à analyser. Toutefois, depuis les 40 dernières années, date à laquelle environ la Fondation québécoise a été fondée, la situation a beaucoup évolué. Il y a 40 ans, il y avait deux voies de suivi pour le cancer, la vie ou la mort. C'est plus du tout la même situation à l'heure actuelle. Non seulement les patients survivent beaucoup plus longtemps, mais les patients vivent avec le cancer et de manière souvent sur de longues durées. Le soutien aussi est sur une beaucoup plus grande durée, des années. Et c'est extrêmement important d'avoir cette notion même maintenant dans nos soins et dans la prise de conscience par rapport à cette maladie-là. Cette maladie devient de plus en plus une maladie chronique, comme beaucoup d'autres maladies à laquelle on peut être confronté. Les patients et les soignants qui sont impliqués tous les jours vont souvent avoir énormément de défis. Mais il faut se rappeler d'une chose, il est extrêmement important toujours de se battre pour quelque chose, pas contre quelque chose. Les patients vont se battre pour leur vie, pour leur qualité de vie, pour leurs amis, pour leur famille, pour leurs collègues, pour leur passion, pour énormément de choses, et c'est ça qui est le plus important. La Fondation québécoise du cancer va se battre pour le soutien aux patientes, pour de l'information, pour tous les aspects de leur vie quotidienne. Et lorsqu'on se bat pour quelque chose, on est toujours gagnant.